Coucou, nous voilà réunis pour la vidéo de dimanche Cédicrit. Je vous présente la carte que j'ai choisie avec ma petite fée, qui est l'œuvre d'une créatrice qui est sur Facebook. Et je vous invite à aller voir ses créations. Elle fait des sorcières aussi. Voilà, donc là, évidemment, je ne vais pas. Donc voilà, je vous laisse le temps de faire pause. Donc pour moi, cette carte, elle représente la petite fille nous représenterait en fait, voilà, un peu au niveau spirituel des choses. Voilà, c'est le commencement de quelque chose avec le fait qu'il y ait des petites fleurs, voilà, qui inspirent le printemps. On commence à aller de l'avant vers notre chemin de vie, vers quelque chose que l'on ne connaît pas, mais on ne le regarde pas vers le passé. Et là, les petites lumières où il y a des petits enfants seraient notre enfant intérieur qui nous guide et nous illumine, en fait, nous donne de la lumière pour qu'on voie bien le fil. Et voilà. Et comme on est dans comme pour moi, tout va par deux, le négatif et le positif. Voilà. Donc il y a l'équilibre parfait, voilà, de notre enfant pour aller de l'avant, avancer dans notre vie de tous les jours. Voilà, c'est une petite fée de Julie Sauterande. Donc elle est dans mes amis sur ma page Facebook Mirabelle Laporte. Donc je vous invite à aller voir. Elle fait des petites sorcières et des cro-magnons aussi, des cro-mignons, hein, très 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 sympa. Donc voilà. Voilà, revenons à cette carte. Donc voilà, c'est ouais, ça représente le début du chemin. Voilà. Et pour commencer à avancer, il faut avoir l'équilibre, regarder en avant, et notre enfant intérieur illuminera notre chemin pour voilà, pour pas qu'on tombe. Donc voilà la petite carte du dimanche, Cédicite. N'hésitez pas à mettre des pouces si la vidéo vous a plu, à faire des commentaires sur cette carte. Voilà. Travaillez votre intuition, c'est super sympa. Et puis voilà. Donc gros bisous, à bientôt, à dimanche prochain. Je vous embrasse, plein de bonne énergie positive. Bisous, bisous.